Alors, mes chers amis, bienvenue de nouveau sur Pancapou. Je vais revenir brièvement en arrière, tout simplement pour choper. Ah non, en fait, il n'y a rien à choper. Je pensais qu'on avait les petits... Ah, je ne sais plus leur nom. Les Mudjins, voilà. Je devais récupérer des Mudjins. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois, il y en a zéro. Donc, en fait, non, on a juste à continuer. Tranquillou, je vais juste revenir ici. Je vois qu'on en a raté 4. Alors rassurez-vous par contre, les épisodes ne seront pas aussi longs que le premier. Le premier étant juste une intro. Hein. Je ferai en sorte qu'il ne dure pas non plus une éternité afin que ce soit aussi plus pratique à regarder. Pour ceux qui viennent d'arriver, Pancapou est un gardien. Vous n'avez rien vu, je ne suis pas tombé dans les ronds, ceci est une illusion. Pancapou est donc un gardien des rêves qui a été envoyé par un... par Iketomi. Qui... Oh punaise, je viens à peine... Non, c'est bon. Ouais, y a plus rien. Alors, je suis nulle, là. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout réveillée. Alors, voilà. Pancapou a été créé par le dieu gardien des rêves également, Iketomi. Afin, bien, tout simplement, de ramener l'ordre parmi le monde des rêves. Et la fois précédente, on avait fait la connaissance de Oiti. C'est un du coup, si je puis dire, c'est un des émissaires de d'Iketomi, enfin qui aidait à la protection de, du monde des rêves. Et qui était perdu, enfin non, dépressif, parce qu'il ne trouvait plus ses amis, les Mudjins. Mudjins que nous devons donc ramasser aux quatre coins des maps. Et j'avoue que là, j'en ai récupéré un. Mais je ne sais pas du tout où se trouvent les autres. On en est où, là? Non, ça, c'est les Égyptes. Non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux. 7, il en manque 2. Il en manque 2. Pourquoi j'arrive pas à faire... Non, en dessous, il y a rien. Celui-là, on l'a déjà chopé. Alors... Ah, attendez. Punaise, non! Je suis débile! Je suis sûre qu'il y en avait un là! Oh, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Non, c'est pas ça non plus. Non, ça, ce sont les... Ah! C'est pas vrai! Je suis sûre qu'il y en a un qui était planqué là en plus. Et je peux pas mourir parce que, évidemment, évidemment... Il n'y avait pas d'ennemis à proximité pour me tuer. Il y en a un derrière, nom d'un chien. Comment... Zut, c'est quoi la touche? Non. Je veux pas monter. Ouch. Que normalement, eux, on peut les battre. Voilà, c'est Y. Yes, on en a 8. Il en manque un dernier. Oui, bien sûr, c'était pas la bonne direction. En fait, je pense tout simplement que l'endroit que j'ai raté, il n'y avait rien du tout, parce que j'ai pas entendu le petit bruit, justement, qui signale leur présence. Bon, tant pis, toi, je te tue. Je peux pas te tuer, c'est pas grave. Ah! Cochonnerie! Ah! Cochonnerie! Et le dernier est là-haut! Tout simplement. Et voilà, nous les avons tous. Ouais, c'était tout ce qu'il fallait avoir. Là, c'est bon. Là, on s'est craqué, je sais pas ce qu'on a fait. Ah, mais si, c'était dans cette forêt-là qu'on avait du coup déclenché notre immense pouvoir. Voilà. Là, je vais analyser le moindre recoin. Je vais être dans la paranoïa la plus totale. Déjà, vous, je vous hais. Voilà. J'aimerais bien me rappeler, par contre,
pourquoi il y a un système de points. Bon, tu vas pas encore voler très longtemps. Alors, je regarde quand même en bas s'il y en a pas, parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, bingo. Ah, non, 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 attends, voilà. Oh, je veux aller trop vite. Il n'y en a pas un là-haut par hasard? Ah, si, je m'en doutais. Je m'en doutais. La paranoïa, mes amis, la paranoïa. Mais la paranoïa ne vous sauve absolument pas des épines dans lesquelles vous vous jetez frénétiquement. Non, la base, elle est en dessous, c'est bon. L'effet est immédiat. Le problème, c'est que je n'ai plus de mana. Et que je me suis raté. Et ben, j'ai fait n'importe quoi. Cinq sur 16, on a pas fini. On en a encore pour la nuit. Allez, viens là, viens là, viens là. Viens là. Oh, ouais. Je pète la forme aujourd'hui, ça se voit. Je fais n'importe quoi. Le pied. Yeah! Ou comment je les ai évités ceux-là? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ouais, je sais pas ce que j'ai fait, c'était très bizarre. Et. Oh punaise! Ah! C'est ce qui s'appelle une mort de chaussette! Oh! Lâche! What? Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Je vais encore mourir! Sérieux? Oh, je suis levé que depuis une heure. Ah, je n'y arrive pas. C'est très très relou. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Oui, il y en avait un qui était planqué. Le fourbe. Ah, super. J'ai hésité, j'aurais jamais dû hésiter. Les pics sortent, voilà. On peut y aller. J'ai dit, on peut y aller. Voilà, merci. La fille qui pète un plomb comme ça, gratos. Trop près. Ah, j'ai pas bougé assez vite. Ah, mais c'est pas possible. Je vais pas mourir là comme ça, comme une grosse mouise. Oh non. Voilà, prudence. Prudence. Et merde, sûreté, mon dieu, c'était limite. Allez, voilà. Oh, non, y a rien là-haut. Et enfin! Oh punaise, comment j'attends ce truc-là? Attendez, attendez, attendez. On va y aller mollo, voilà. Toi, tu meurs déjà dans un premier temps. Toi, là-haut, je t'ai vu hors cadre, mais je t'ai vu. Oh la vache! C'est quoi cette montée de l'enfer? Vite, un point de sauvegarde. Il me faut un point de sauvegarde. Oh, un quart de cœur. Il me faut un point de sauvegarde de toute urgence. Eh oh. Comment? D'accord, ça y est, j'ai compris. Non! 100 000!
seconde, je reviens. Bon, mes amis, il s'est passé un miracle de Noël, des plus fous. Regardez, je suis à deux losanges et demi. Je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, là, mais c'est terrible. Je fais n'importe quoi. Et le point de sauvegarde était juste là. Ah, je deviens folle. Je deviens folle. Et je suppose que nous devrons revenir à ce niveau plus tard, n'est-ce pas? Puisque nous avons les... Commence à m'énerver, toi, hein. Voilà. Donc, nous sommes à 10. Et je disais donc, il va falloir, je pense, revenir plus tard pour essayer d'aller au-delà de ces pierres rouges. Qui, à chaque fois, nous empêchent de progresser vers notre objectif. Ah, je t'ai eu à ton propre jeu. Ah! J'ai dit. Je me souviens que j'en avais eu... J'avais eu du mal aussi à... progresser là. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Des fois, vous faites des choses tellement insensées que vous cherchez l'origine même de votre bêtise. Voilà, c'est... Déjà, toi, je cherchais à t'avoir. Ouais! 4! On va y arriver! Il nous en reste 4! Ces chauves-souris m'énervent au plus haut point. Oui. Ah. J'ai bugué. Je sais pas pourquoi je suis restée sur cette plateforme-là. Bon, pour les avoir à tous les coups. Et sont pénibles à avoir ces troncs-là, tout simplement parce que les plateformes qu'il y a en face sont à chaque fois des plateformes instables. Et j'aimerais bien te choper, toi, voilà. Bah, hop, tu passes. Ah ! J'adore ce jeu, justement, parce qu'il... Bah, il vous donne du fil à retordre. Ah, je veux aller là-haut pour choper le mudge, nom d'un chien. Voilà. Je m'en fous. Je le veux. Voilà. 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 Là, y a rien. Après, je sais plus du tout ce qu'il y a. C'était la fin du niveau. On les a pas tous eus. Je pense de toute façon qu'on ne peut pas tous les avoir pour la simple unique raison qu'il y a une partie du niveau qu'on ne peut pas encore atteindre. Donc le bois des braves, c'est bon. Maintenant, on continue l'aventure au sentier blanc, qui était notre prochain niveau. Nous voilà arrivés à la mare au Mudge. La maison de Itty n'est plus très loin. Je croyais qu'on l'avait déjà vue. Prends garde à ne pas tomber dans l'anima. Ok, bon, apparemment, il faut pas que je tombe dans l'anima. Mais j'ai pas... Je n'ai pas vu le reste de la phrase. Alors par contre, il y a certaines plateformes. Parfois, j'ai des... doutes. Sur leur présence, parce que certains éléments de décor se mélangent aux choses qui bougent réellement, enfin qui sont à notre plan, je veux dire. Bon là, je suppose qu'il ne... Oh ! J'allais dire, je suppose qu'il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. D'ailleurs, avoir une certaine fluidité dans les sauts, vu le rythme des résidus de cauchemar. Voilà. Voilà. Gelato. Ok.
suppose que c'est parce que j'en ai tué un certain nombre, ou que j'ai eu un certain score. J'ai l'atteint, ok. Non, ou c'est peut-être juste parce que... Parce que c'est bien d'apprendre les noms. Oh! J'ai eu peur, mon dieu! Et nous en avons un sur... Ah, ça se dit pas à chaque fois! Ah si, il en a 15! Oh là là. Oh, toi, tu vas tellement me casser les pieds! Et on est de même pour toi! Allez, viens que je m'occupe de ton cas. Finalement, c'est toi qui m'as eu en traître. Voilà. Ok. Vous avez trouvé 25 Mojin dans ce chapitre. Pour vous remercier, les porteurs d'espoir vous offrent un fragment de Lutanite. Ouais! Oh! La fourberie, j'ai cru qu'il allait me troller et faire disparaître la plateforme avant que je ne saute dessus. Zut, il y en a un juste en dessous. Avec des cauchemars, bien entendu! Je me disais aussi qu'il y avait quelque chose en dessous. Par contre, les animations sont parfois tellement lentes que vous n'avez même pas le temps de vous défendre. Je l'attrape comment, lui ? Ah, ne me dis pas qu'il y a un autre pouvoir qui va me permettre de l'attraper plus tard. Oh. La fourberie, quoi. M'en fous. Regarde, pas de capou, une graine de sadile. Ah. Cette plante est un concentré d'anima cristallisé. Elle en contient tellement qu'elle en laisse échapper régulièrement. Si tu restes à côté d'une graine comme celle-ci, tes points d'anima vont se recharger progressivement. Lorsque tu en croises, je suggère d'en profiter pour bien te recharger. Bah ça va, je suis plein. Je suis full fuel. Full fuel. Oh non. Ah, le troll ultime. Ok, il a dit, il s'est suicidé. Donc les plateformes apparaissent bien. Faut juste que je saute au bon moment et que j'arrête de foncer droit dans le mur. Lol. Allez, vas-y, toi, saute. Je sais pas pourquoi, toi, tout à l'heure, t'as... Vous avez sauté. Non, tu veux pas te suicider, non? Tu sais, ça m'arrangerait. Oh, c'est tellement ignoble ce que je viens de dire. Parce que non, ça n'arrange personne. Toute vie est nécessaire. Sauf que là, c'est un cauchemar. Nous sommes dans un jeu. Alors la plateforme, si j'ai bien mémorisé... Elle est là, punaise. Choup, choup, choup. Choup, choup. Oh ! J'ai réussi. J'ai réussi. Oh, la fourberie, mon dieu, il va me faire faire une crise cardiaque. Oh, j'ai réussi, j'ai réussi. Je l'ai eu, je l'ai eu. Rien à faire, je l'ai eu. Mais bon, la cinématique, passons, blablabla. Merci. Oh, mais... Vous êtes fourbe. Voilà. Ah, j'ai hésité. Oh, j'ai hésité. Oh. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu fais n'importe quoi.
J'ai fait n'importe quoi, j'ai paniqué. Voilà. Ah maintenant faut aller à l'envers. Oh. Comment vous faites là maintenant? Ok. D'accord. C'est vraiment la fourberie des temps modernes! Oh la vache! Voilà. Et là, nous avons une grotte. Zut, impossible d'aller plus loin! Sans blague. Si seulement nous avions une embarcation, nous pourrions continuer en naviguant. Peut-être qu'en passant par ici, on trouvera quelque chose. Allons voir, c'est ce que j'allais faire avant que tu ne me coupes. Alors, non, il n'y a plus rien. Oh, pouf. En fait, je regardais le plafond. Je ne voyais pas ce qu'il y avait devant moi. Oh, il y a juste ça, ok. C'est simplissime. Ah, j'entends un Mugin. J'entends un Mugin. Non, t'es pas caché là? Non, y'a rien. Non, il est à droite. Je l'entends quelque part à droite. Il est là! Tranquillement en train d'attendre sa noble destinée vers de meilleurs horizons. Voilà. Reviens là, toi, je t'élimine avant. Oh, c'était juste. C'était risqué et très juste. Et il y a un autre Mugit juste là. J'arriverai jamais à faire des sauts ultra longs. Ah, ouais, je le disais aussi, là non plus on peut pas aller plus loin. Ouais, je suis à combien? 11. Ça va. Ah, ouais, ok, d'accord, non. Je veux revenir, je veux revenir. Oh, heureusement que le point de sauvegarde était pas loin. C'est quand même chaud. Il y en a un autre, je l'entends. Il doit être quelque... Il est où? Que je l'entends le Mugin, mais... je l'entends à la fois à gauche et à droite. À droite. Ah, parce qu'il y en a deux. Tout simplement. Ah oui, d'accord. En fait, j'étais partagée. J'ai voulu sauter. Puis j'ai hésité. J'ai voulu me rétracter. Mais en tombant. C'est un des réflexes stupides que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours. Tant pis. J'aurais tenté.
Ouais, à chaque fois, c'est juste. Oh, saleté! J'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième.